Bon, et donc j'espère que vous êtes bien sauteurs et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Sur une toute nouvelle vidéo sur Yo-Kai Watch. Donc ça fait plaisir. J'ai enfin du coup le Gargaros, le premier Oni, donc bah on va se le faire. Mon but c'est de le combattre, donc on est parti. Gargaros. Oh. Oh. J'étais pas prêt. Allez, c'est parti. Il y a combien de vie en vrai? Oh, ça va. Oh non. Pas mon Jibanyan quand même. Let's go, c'est bon, je l'ai. Il est quand même mid life, hein, ça. Il attaque plus. Allez, go, 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 go. Couche matraque. On lui fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est hallucinant. Mais lui aussi, il nous fait pas mal de dégâts. C'est cool. C'est un combat assez intéressant, mais je me demande pour le lobby. Je crois que c'est Orgralos. Et ensuite on a aussi bah, du coup le Orcanos. Je me demande bah, comment ça va être. Parce que si lui déjà on galère un peu, enfin on galère pas, mais voilà, il nous fait des dégâts donc. Ok, on l'a eu. Bon, ça c'est fait. Bon, ben maintenant, du coup, on peut chercher tous les trésors. Hein. Ils sont à nous. Mais moi, je m'en fous un peu en soi. On peut trouver quoi dans les trésors? Alors je sais pas comment on peut faire ce spawn les bah, les autres. Si c'est parce que voilà, plus vous le tuez, plus vous avez de chance, ou plus je sais pas. Peut-être que là, vu que je l'ai tué, bah le prochain il va être celui de l'eau là, le Orgralos. Et ensuite, bah, si je le retue, ça se trouve ça va être Orcanos. A voir. En tout cas, bah, c'est bon. On se les fait, super facile. Donc mais du coup, je vais faire tout pour avoir le prochain. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à activer la cloche, c'était auteur, n'oubliez pas que je kiffe. Allez, ciao.